Petit, tu crois qu'elle allait nous dire quoi? Réponds quand on te parle. Rien. Mais c'est quand elle voulait nous faire renvoyer, non? Je voulais juste que vous me remettez mes cahiers. C'était une blague, Kandem. On va te remettre tes cahiers. Tu regardes quoi? Il te dit ça aussi. Sauf que tu vois, j'ai des manques à rattraper en histoire, Jo. Donc tu combles les coups qu'on a ratés là et on te bactère une place. Mais c'est pas ce qu'on avait convenu. Tais-toi, laisse-moi gérer. Mais je ne peux... Qui t'a donné la parole? Tu as porté ça après demain, sinon malheur à toi. Et si tu t'avises d'ouvrir ton clapet, je vais personnellement m'occuper de toi. Kamdem, il faut aller voir la surveillante. Tu lui racontes tout ce qu'ils te font. Elle ne va rien faire. Je suis déjà allée la voir. Et ton père, il n'est pas militaire. Madame, va en classe. Madame, ils ont pris mes cahiers. Ils ont ouvert ton sac pour prendre tes cahiers. Non, madame. Va en classe. Même vous savez ce que vous complétez ensemble. Ils ont pris mon cahier. Bonsoir, papa. Bonsoir, fiston. Ça va? Papa, il y a deux élèves à l'école. Je suis fatigué, Kamdem. On va voir ça après. Mais papa... Exact. J'ai tué des hommes et des femmes. J'étais à peu près tout ce qui marche ou rampe, à un moment ou à un autre. Et je suis là pour t'aider à prendre ta revanche. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui courent. Nous, on court pas. Ton père se repose demain, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu, mais tu veux jouer au Kaya. À mon signal, déchaîne les enfers. Vous ne me faites pas peur. Tu vas alors confirmer.
Oh, un piège. Tout ça, c'est de ta faute. Ma faute? C'est toi qui tenais l'arme. Ça ne peut pas être mon fils qui a fait ça. Ce n'est pas lui, c'est alors qui? Voilà votre âme reconnue par vous-même. Si ça ne dépendait que de moi, on enferme son père et on ferme aussi cette école.